Chères doctorantes, chers doctorants, chers collègues, Madame la directrice, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir pour un moment qui est très important pour vous, un moment où il convient de vous féliciter. Vous arrivez au bout d'un parcours, mais peut-être aussi au début, on pourra peut-être y revenir. Et je suis aussi un petit peu ému parce que je vais être très honnête avec vous, c'est une première fois pour moi, peut-être comme pour vous d'ailleurs, c'est la première fois que je revais cet habit de lumière. Ce qui est évidemment très troublant, n'est-ce pas? Mais que ne ferait-on pas pour vous et pour vous honorer ce soir? Pour vous dire que, évidemment, c'est un moment important que cette remise des diplômes qui vient consacrer des années de recherche. Alors, vous êtes une petite trentaine de doctorants, quelques collègues qui viennent de passer et d'obtenir leur habilitation à diriger des recherches. Et dans les deux cas, c'est le fruit d'un parcours, d'une longue aventure, une aventure de la pensée. J'avais été très, très frappé quand j'avais lu ce bouquin d'Agamben sur l'aventure. Et je m'étais dit que finalement, nos travaux de recherche, nos travaux scientifiques, ressemble à quelque chose de l'ordre de l'aventure, dans ce qu'on met de soi, l'inconnu dans lequel on est engagé en acceptant suivre au fil des années un parcours de recherche. Il faut beaucoup de courage. On est tous passés, je me permets de me mettre dans le lot, par des périodes de doute, par des périodes d'euphorie. Et je crois vraiment que ce parcours de recherche est une belle aventure et évidemment, on vous félicite beaucoup d'être arrivé au bout. Vous avez la chance d'être dans une école doctorale, une belle école doctorale, qui arbore sur le site internet la formule « une école doctorale unique ». Alors unique sur le plan administratif sans doute, mais aussi unique parce qu'elle a un parcours singulier dans son histoire. Et il convient de saluer, hein, c'est Béatrice Collignon, bien entendu, pour tout le travail d'animation qu'elle fait et la proximité qu'elle entretient avec vous tous, avec vous toutes, et puis bien entendu les prédécesseurs de Béatrice. Donc une école unique par sa singularité, le soin qu'elle apporte aux doctorants, mais également par le fait qu'elle porte la singularité des sciences humaines et sociales. Et ça me paraît vraiment important aujourd'hui, avec cette toge jaune, n'est-ce pas, que nous représentions la force et que nous portions haut la force des sciences humaines et sociales dans la société contemporaine. Je disais tout à l'heure que vous étiez arrivé à la fin de quelque chose, qu'il s'agisse d'un doctorat ou d'une HDR, et en même temps, c'est le début d'une autre aventure. Pour nombre d'entre vous, ce sera de l'enseignement, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Il y a peut-être des étudiants, des doctorants, des doctorantes en chiffres qui vont entrer dans des parcours administratifs ou d'entreprise. Mais notre enjeu, quelles que soient les manières qu'on investit, c'est de faire vivre le savoir et de faire en sorte que le savoir que vous avez constitué, l'originalité, l'inventivité dont vous avez fait preuve, eh bien que cela se mette en vie et soit réintégré dans le flux social. Je crois que c'est vraiment notre mission, et qu'on soit enseignant ou quelle que soit la carrière qu'on adopte ensuite, qu'on épouse ensuite, il y a vraiment cet enjeu de transmission et de vie du savoir. Alors, je ne vais pas rester vous prendre trop longtemps parce que l'objectif, c'est avant tout de vous délivrer ces diplômes et de passer un moment de convivialité. Mais je tenais vraiment à vous adresser de vifs compliments, de vifs remerciements et puis à vous souhaiter un très beau parcours parce que, encore une fois, l'aboutissement que l'on fête ce soir est une ouverture et je vous souhaite le meilleur dans la poursuite de l'aventure intellectuelle qui sera la vôtre. Merci et bravo. Bien, à la suite de notre président, chers jeunes docteurs, chers néo-habilités à diriger des recherches, chers directeurs de thèse, directrices de thèse, garants, garantes de HDR, directeurs, directrices des UR et UMR qui ont accueilli ces travaux,
chers collègues, chers doctorants qui sont encore dans le parcours, puisqu'il y en a quelques-uns dans la salle, chers et chers membres de l'équipe de l'école doctorale, car je parle ici en notre nom à tous, je commence après ces salutations à vous remercier d'être là, à remercier l'équipe de l'école doctorale qui a encadré votre parcours depuis avant même l'admission, la constitution des dossiers, jusque la soutenance et jusque au-delà la remise de ce diplôme, et le plaisir que j'ai à vous retrouver ce soir, un certain nombre de têtes connues, d'autres que je continue à découvrir en ce jour de remise des diplômes, mais c'est vraiment un grand moment d'aboutissement pour nous tous que ce temps-là. Alors, à propos des docteurs, être docteur, qu'est-ce que c'est? Parce qu'après tout, on dit, oh, c'est un diplôme, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'être docteur? Je pense que être docteur, c'est d'abord croire en la recherche, être convaincu qu'elle est utile et savoir élargir le sens du mot utile. C'est aussi être capable de parler de sa recherche, de montrer tout l'apport de son travail, que ce soit en lettres, en langue, en art, en sciences humaines ou sociales, et tout l'apport de ce travail à la compréhension du monde et de ce qui fait monde. Être docteur, c'est aussi avoir démontré la faculté de formuler une question de recherche, avoir l'exigence d'aller jusqu'au bout des choses, des textes, des terrains, des œuvres, avoir expérimenté au plus fort le doute, avoir appris à vivre avec, et surtout, à en faire une force pour avancer dans sa recherche. On sait que le doute, c'est le moteur de la recherche. C'est aussi s'être confronté à ses limites, avoir appris à les dépasser ou à les accepter pour travailler avec ses limites et non pas contre. Avoir compris aussi que cette expérience douloureuse, malheureusement ou heureusement, se répète et se répétera, je suis désolée de vous le dire, dans la suite de votre vie, cette expérience de ses propres limites, mais que cette confrontation avec nos limites à chacun d'entre nous est productive. Elle est productive de sens, elle est productive de savoir, elle est productive aussi de la construction de ce que chacun d'entre nous, nous sommes et nous devenons à travers nos parcours de formation de chercheurs, jeunes chercheurs et chercheurs plus capés par la suite. C'est aussi savoir écouter les autres chercheurs et surtout son directeur ou sa directrice, surtout quand il ou elle vous dit qu'il faudrait recadrer, qu'il faudrait réduire, qu'il ne faudrait pas vouloir tout faire, qu'il va falloir finir, que, comme disait Sandro Landi, directeur de cette école doctorale avant moi, une bonne thèse est une thèse que l'on finit. Et, en partant de ce que tous ces gens vous disent, savoir aller au-delà, ne pas faire exactement ce qu'ils vous disent de faire, mais savoir prendre cela comme un aiguillon pour faire un peu différemment, faire plus, faire autrement, et c'est cela, devenir autonome dans sa recherche. C'est aussi être docteur, avoir au moins une fois décidé d'abandonner et avoir eu le courage de ne pas le faire. Être docteur, c'est enfin avoir éprouvé le fait qu'on n'avance pas tout seul, même et surtout dans la recherche, y compris dans les sciences humaines et les sciences sociales. C'est être arrivé au bout de la thèse et en être modestement et humblement fier et porter cette fierté d'être allé au bout de quelque chose qui est extrêmement difficile et extrêmement exigeant en raison de tout ce que ce parcours doctoral représente, tout ce qu'on vit pendant ce parcours. C'est le porter fièrement dans la société et le défendre par l'administration de la preuve de la valeur de la recherche et du diplôme de docteur. Dans cette défense, j'inclus aussi ce fameux serment du docteur que l'on prononce aujourd'hui, qui a beaucoup fait débattre. On peut prendre du recul par rapport à ce serment, le remettre dans le contexte dans lequel il a été formulé et dans lequel on nous demande aujourd'hui, on vous demande, moi je n'ai pas eu droit à ça, on vous demande de le formuler, mais en comprendre le sens profond et non pas s'arrêter à ce qu'il peut, les points qui peuvent être agaçants dans la façon dont il a été formulé et imposé.
J'en viens à mes collègues habilités à diriger des recherches. Être habilité à diriger des recherches, c'est s'apprêter à rejoindre un nouveau collectif et en accepter les responsabilités, qui sont, vous l'avez peut-être déjà un peu éprouvé, qui sont lourdes, mais néanmoins extrêmement enrichissantes et différentes de celles des non-habilités à diriger des recherches. C'est avoir découvert aussi, je pense que c'est vraiment le cas pour tous les HDR, avoir découvert au fil des jours, des semaines, des mois, que ce que l'on voyait de loin et au départ comme un pinsum, quelque chose qu'il faut faire parce que on veut pouvoir faire diriger des recherches, justement, des thèses, des projets, toutes sortes de choses, mais il faut en passer par la HDR, c'est vraiment casse-pied. Et avoir découvert que, en fait, c'est un grand moment de liberté académique et de bonheur intellectuel. C'est aussi être prêt, et je vous y encourage très vivement, et je pense que mes collègues vous y encouragent aussi, notamment le vice-président recherche, puisque l'habilitation à diriger des recherches, elle est octroyée, l'autorisation à discuter son habilitation est octroyée par la commission de la recherche, qui est présidée par le VP Recherche. C'est être prêt à expliquer ce grand moment de liberté académique, ce grand bonheur intellectuel, aux collègues plus jeunes, pour les encourager à prendre, quand ils seront prêts, le même chemin et ne peut-être pas passer par ce moment où on se dit qu'il faut la faire, mais en traînant les pieds, donc on n'arrive pas à la faire. On finit par comprendre que c'est quand même libérateur et que très intéressant. Et là, au miracle, l'HDR s'écrit toute seule. Pour conclure, être docteur, c'est avoir compris. Être HDR, c'est s'être souvenu que la perfection est un horizon et non pas à point à attendre. Et sur ce, nous allons passer à... Qui est ce stylo ? Voilà. Il ne faut pas laisser traîner ses affaires, Monsieur le Président. Donc nous allons passer maintenant à l'appel des docteurs ici présents. Et nous donnerons aussi les noms de ceux qui sont absents, puisque la vie d'un jeune docteur, c'est de quitter l'école doctorale, c'est de quitter Bordeaux-Montaigne, c'est aussi souvent de quitter Bordeaux. Certains d'entre vous se sont organisés pour venir de loin, d'autres étaient encore tout près. Et nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par SPH. D'habitude, on est dans l'ordre alphabétique, mais là, on va un peu rompre l'habitude, puisque justement... Jonathan Gombin, docteur en philosophie, avec une thèse sous la direction de Jean-Philippe Narbou, sur une thèse intitulée « Les simplicités du Tractatus Logico-Philosophus », est venu, mais en raison du mauvais temps, à un train très vite à prendre. Donc, Jonathan, je vous invite à me rejoindre. Voici votre diplôme. Et si vous souhaitez dire quelques mots, si vous en avez le temps. Merci. Très, très brièvement, je voulais remercier l'UBM pour sa confiance, l'école doctorale et ses équipes sur lesquelles on peut toujours compter, et mon épouse pour m'avoir convaincu de ne pas abandonner. Merci beaucoup. Merci. J'appelle ensuite, toujours pour SPH, Marco Tucinardi, qui est là, voilà, qui arrive, qui a fait une thèse en études italiennes avec une co-tutelle avec l'Università di Insubria, sous la direction ici de Sandro Landi et d'Antonio Orecchia en Italie, sur une thèse intitulée « L'affaire Giuliano, construction d'un cas médiatique de l'Italie de l'après-guerre ». C'est moi qui vous le remets. Vous n'avez pas encore droit, attention. Merci. Voilà. Plus ou moins la même chose. Merci à ma famille, mon épouse qui est là, et à mes deux directeurs de thèse, Sandro Landi et Orecchia. Merci. Merci. Ensuite, pour Amélie Bert, on retourne dans le sens, dans l'ordre alphabétique. J'appelle donc Madame Clara Lecadre-Scotto.
pour une thèse en études hispaniques sous la direction de Nuria Rodriguez Lázaro, Mujer, Poesía y Religión, Escrituras Místicas en la Lírica Española Femenina Contemporánea, 1980-2020. C'est très bien dit. Je vous remercie. Si vous voulez dire quelques mots, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé. Merci infiniment à ma directrice de thèse, Nuria. Merci infiniment, monsieur Canonica. Sans vous, je ne serais absolument pas là. Merci infiniment. Et j'ai oublié pour SPH, donc je le fais pour Amé Ribert, de citer aussi les personnes absentes. Diego Braque, Carlos Estela Vilela, Marie Laurinquer-Hervé et Manon Naro. Et nous passons maintenant à Arthès. Et comme il faut beaucoup de... C'est l'école doctorale, la thèse, c'est comme faire grandir un enfant. Il faut beaucoup de monde pour cela. Donc nous faisons ces appels à multiples voix. Avec un accord implicite qui est que je ne dirai rien en espagnol. Donc, j'ai le grand plaisir d'appeler Johanna Schipper. Johanna Schipper qui a fait une thèse sous la direction de Pierre Sauvanet, une thèse intitulée « L'espace figuré, les bandes dessinées issues de rêves » parue en France 1990-2020. Et c'est un grand plaisir, Johanna, évidemment. Eh bien, j'aimerais également remercier mon directeur de thèse, Pierre Sauvanet, et puis Jean-Paul Gabillet, qui m'a aussi dirigé vers cette école doctorale. Voilà. Ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir, Chloé Bappel, Guillaume Genert, Estelle Kemener, également pour Arthès. Pour Ozonus, j'appelle Sofiane Gérard, qui a fait une thèse sous la direction de Jacques de Courtil et de Khedija Boufenara, intitulée « Archéométrie et reconstitution du mortier de Chaux des constructions antiques du nord-est de l'Algérie, le cas du site d'Hippone ». Alors, je souhaite remercier mes deux directeurs de thèse, la professeure Boufnara Khedija et le professeur Jacques Descourtil. Les deux UMR qui m'ont accueilli en fait, pour réaliser cette thèse, donc Ozonius et Archéosciences Bordeaux. Et enfin, l'école doctorale et tout le personnel, et principalement Stéphanie Brossard, Sylvia Abraham et Monsieur Colli. Merci pour tout. Toujours pour Ozonus, j'appelle Alexandre Léonet, qui a fait une thèse sous la direction de Sophie Kranz, intitulée « Les origines des divinités gauloises, de l'âge du fer à l'époque romaine, une analyse stylistique et archéologique ». Félicitations. Je tiens à remercier également très chaleureusement l'école doctorale pour tout son suivi durant toutes ces années. Et je remercie ma compagne pour son soutien moral et financier. Merci. Alors, n'ont pas pu être avec nous ce soir pour Ozonus, Aïda Alavi, Adrien Bertou, Dario Giuliano et Juan Prieto Iomi. Nous passons maintenant au SEMS. Donc, j'ai le plaisir d'appeler Mathieu Cabanis, qui a réalisé une thèse en histoire moderne et contemporaine sous la direction de Marie-Christine Bounot, le courant rocardien, histoire et héritage d'un courant politique au prisme de ses leaders et de ses fidèles. D'accord. Donc, c'est Adrien Bourse, que nous connaissons pour d'autres raisons, toujours en histoire moderne et contemporaine, sous la direction de Jean-Pierre Moisset. Et Adrien Bourse a consacré sa thèse à Frédéric Lenoir, héritier et acteur de l'émergence du néo-christianisme des années 1960 au début des années 2020. Le président va penser que j'ai fait une très mauvaise blague. Ah oui, en fait, ceux qui sont là, c'est Vincent Fontenay et Yves. D'accord. Donc alors, je n'ai pas fait exprès,
Elle m'a savonné la planche, mais en même temps, c'est un grand plaisir parce que c'est une anecdote que je voulais vous raconter et j'ai oublié. Lors d'une nuit des idées, il y a quelques années, quand on faisait ça au TNBA, on avait fait une sorte d'installation un peu à la... vous savez, cette technique des cordelles d'Amérique du Sud, et on avait accroché les sujets de thèse sur des cordes à linge dans le grand espace du TNBA, et en proposant à tous les visiteurs de deviner à quelle époque la thèse avait été faite, et bien entendu, on avait truffé ces cordes de thèses historiques, de Foucault, etc. Et ça avait été extrêmement intéressant de voir en fait comment et combien les thèses sont des miroirs de leur époque. Alors évidemment, il y a des sujets qui sont intemporels, mais en même temps, pour vous dire le plaisir que je peux avoir aussi à énoncer des titres de thèse, il y a un côté comme ça. Donc, bon, voilà. Donc, vous avez pris 10 minutes de discours de plus, désolé. Donc, alors, je ne sais plus du tout qui est là. Les deux autres. Vincent Fontenay. Donc, nous sommes toujours en histoire moderne et contemporaine, sous la direction de Philippe Chassagne et de Donald Faison. Les homicides au Québec de 1945 à 1975, études d'histoire sociale et culturelle. C'est le bon diplôme. Toutes mes félicitations. Alors, je ne vais pas faire dans l'originalité. Je vais remercier mes directeurs de thèse, Philippe Chassaigne et Donald Faison pour l'Université Laval. Et évidemment, l'intégralité de tout le personnel de l'école doctorale. Merci. Bravo. On appelle maintenant Ibo Fadoul Farah, toujours en histoire moderne et contemporaine, sous la direction de Géraud Pomarède. Vous avez rédigé une thèse sur les services consulaires français dans le sud de la mer Rouge, dans la deuxième moitié du 19e. Bravo. Merci. Bon, un grand merci à mon directeur de recherche, le professeur Géraud Pomarède, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et à ma famille, et à mes amis de Bordeaux, et spécialement à ma mère, que je lui dois beaucoup. Merci. Bravo. Donc on a convenu que je ne dirai rien en espagnol, mais comme il s'agit du laboratoire climat et des études anglophones dont je suis issu, on me le concède. Donc, pour le laboratoire climat, j'ai le grand plaisir d'appeler Madame Jenny Peake, qui a fait sa thèse sous la direction de Jean Albrecht-Pitt et d'Alexandra Reynolds, pardon, sur les inscriptions en anglais comme marque linguistique du flux et de l'hybridité linguistique en France, le cas des graffitis et des tatouages. Félicitations. J'aimerais remercier aujourd'hui les gens qui continuent à croire en moi, me soutenir et me supporter. Merci beaucoup. Alors, la liste des absents est longue. Bicera Serrault, Flavie Epi, Olivier Esmiol, Méline Kasparian et Riyad Moussaoudi. Pour l'équipe clé, j'appelle avec plaisir Madame Rue Urasoko, qui a fait une thèse sous la direction de Laurence Labrune sur le patron atone et le phénomène de la désaccentuation en japonais moderne. Félicitations. Je souhaite remercier ma directrice de thèse qui est présente, Madame Laurence Labrune, et bien sûr toute l'équipe de l'école doctorale, notamment M. Colli, à qui j'ai beaucoup embêté pour organiser ma soutenance, etc. Voilà. Merci. Allez, je vais faire l'histoire de l'art. On passe maintenant à l'histoire de l'art, le centre parisais. Donc, en histoire de l'art, j'appelle d'abord Yannick Bapt, qui a fait une thèse sous la direction de Pascal Bertrand, Conception, fabrication et diffusion du meuble parisien au XVIIIe siècle, les BVRB, Bernard et Van, alors mon accent néerlandais est moins bon que mon accent espagnol qui est déjà pas terrible, Bernard I. Van Rissenbourg, Bernard II et Bernard III Van Rissenbourg, une famille d'ébénistes du faubourg Saint-Antoine.
Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas être très original aussi. Je vais remercier mon directeur de thèse, M. Pascal Bertrand, l'école doctorale qui est un vrai support quand on est à Paris et pas à Bordeaux, et pour toutes les transmissions qu'on a pu avoir. Mon épouse et ma famille, mes filles. Et puis, nous avons la recherche en nous et nous continuerons à porter cette recherche toujours. Ensuite, Julie Lagère, sous la direction de Dominique Jarras, une thèse intitulée « Une splendide aberration, la réception critique de la peinture anglaise en France, 1900-1938 ». Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais faire assez classique. Je vais remercier l'école doctorale pour son soutien, mon directeur de thèse ainsi que tous les membres de mon laboratoire de recherche, doctorants et maîtres de conférences et professeurs pour leur aide et leur encadrement. Et je voudrais également remercier mes amis qui m'ont toujours soutenue, et j'ai une grande pensée également pour mon compagnon et ma petite fille. Voilà. Et enfin, Léa Tichit, sous la direction de Gilles Rago et de Nicolas Meynen, c'était une co-direction, pour une thèse sur les expositions d'architecture contemporaine en France, des premières initiatives à l'institutionnalisation 1914-1977. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, même fière. Merci beaucoup aux organisateurs donc, de cette cérémonie. Je tiens aussi à remercier l'équipe de l'école doctorale, l'équipe du Centre François-Georges Parizé, et surtout, je tiens à remercier mes directeurs de thèse, Gilles Rago et Nicolas Meynen. Gilles Rago qui est présent ce soir pour leur suivi rigoureux, mais surtout pour la bienveillance dont ils ont toujours fait preuve. Merci. Pour l'UR Géoressources et Environnement, j'appelle Andé Okutan pour une thèse en sciences et technologies en co-tutelle avec la Turquie, l'université de Sidki Kocsman, sous la direction d'Alain Dupuis et de Richard Fortier, une thèse consacrée à l'hydrogéophysique des buttes de pergélisol et des mares de thermocaste du Québec nordique et de la Nouvelle-Aquitaine. Mais je ne le vois pas. Ah, vous n'êtes pas, excusez-moi. Venez. Apport à la compréhension de la paléorecharge des grands aquifères par analogue de terrain actuel. Merci. Merci beaucoup. Je remercie mes supervisors. Sorry, I will speak in English. I would like to thank my supervisors and Ecole Doctorale. Thank you very much, M. Colli. And I would like to thank you, my family, and my husband, he's also here. Thank you very much. Thank you. Merci. Nous revenons à l'histoire, histoire moderne et contemporaine, en accueillant Quentin Rouxel, qui a consacré une thèse à l'extraterritorialité du droit comme instrument de puissance dans les relations internationales, une comparaison des États-Unis, Union européenne, Chine depuis la fin de la guerre froide, sous la direction de Sébastien Yves Laurent. Bravo. Merci beaucoup. De la même manière que mes camarades, je vais remercier mon directeur de thèse, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais ce n'est pas à l'image de tout ce qu'il a fait pour moi pendant ces 4 années de thèse. Je vais remercier également l'école doctorale, l'ensemble de ses membres, notamment Bernard et Stéphanie. Et je vais remercier également ma famille et ma compagne qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Et je voulais féliciter l'ensemble de mes camarades. Je suis très heureux de recevoir mon doctorat aujourd'hui avec vous. Bravo à tous. Merci. Nous allons passer en Infocom, en accueillant Véronique Alicinou, qui a consacré sa thèse aux facteurs de réussite de l'apprentissage mobile dans la formation des enseignants du secondaire au Bénin, sous la direction de Mokhtar Ben Enda. Félicitations. Je passe par cet instant solennel
pour remercier mon directeur de thèse, M. Beneda Mokhtar, qui a cru en ma capacité de venir ici ce soir, puisqu'il fallait finir pour être là. Je remercie également l'école doctorale pour son soutien sans faille. Et enfin, mon époux. Il fallait avoir cet homme dans ma vie pour être ici ce soir. Belidji Voluka, je te dis merci et je t'exprime mes reconnaissances. Mohamed Koulibaly, vous avez consacré une thèse sous la direction de Vincent Liquette à l'analyse des usages et des développements de la formation ouverte à distance à l'université de Ségou, au Mali. Et je vous adresse des félicitations. Merci, merci à tout le monde, merci à Vincent, et merci à tout le monde. Marilia Ferreira-Maciel, vous avez consacré votre thèse à la sécurisation des technologies et services de l'information et de la communication dans le contexte des relations sino-américaines, le cas de Huawei et de New IP 2012-2023. Et c'était sous la direction de Mokhtar Ben-Enda. Et je vous félicite. Merci. Merci. Et si vous... Oui, je voudrais remercier tous les membres de l'école doctorale pour m'avoir accueilli toutes ces années, à ma famille au Brésil et aussi à ma famille à Strasbourg, mon mari, mes enfants qui m'ont posé des questions très importantes quand j'étais en train de faire ma thèse. Maman, qu'est-ce que c'est un doctorat? À quoi ça sert? Et pourquoi tu fais ça? Et ces questions m'ont vraiment forcée à réfléchir à ça et me donner plus de force d'arriver jusqu'ici. Merci à eux, merci à toutes les femmes de ma vie qui m'ont apporté de soutien. Une d'elles s'est assise là-bas pour que je puisse finir cette thèse. Et merci à mon papa. S'il était vivant aujourd'hui, c'est les jours de son anniversaire. Il m'a poussée vers les livres, il m'a poussée vers les connaissances et la découverte. Donc, merci papa. Merci à vous tous. Merci. Nous passons à une thèse de M. Franck Badinga, c'est sous la direction de Étienne Damom, réception et appropriation des médias internationaux en Afrique subsaharienne, le cas du groupe Canal+ au Gabon. Est-ce que notre... En fait, Franck est victime des transports, des problèmes de temps, de la météo, qui fait que son train a été annulé. Il était vraiment extrêmement déçu, peiné de ne pas pouvoir être là, et c'est pourquoi, malgré tout, c'était pas pour te faire une mauvaise blague, mais parce qu'il a vraiment exprimé très fortement sa déception de ne pas être là pour partager avec vous la remise de ce diplôme et dire aussi son plaisir et ses remerciements. Bien. Ses camarades pourront lui adresser l'assurance qu'on a pensé à lui. Nicolas Nouveau, pour un doctorat en art, sous la direction de Cécile Croche, art, mystification et lutte sociale, les enjeux de la falsification de la réalité dans l'art au sein de l'arène sociale. Il semble qu'il ne soit pas arrivé, transport aussi. Ok. Le titre était... Vous êtes quelques-uns à avoir un sens du titre absolument remarquable. J'enchaîne. Lucrèce Julie Chikania, en Infocom, toujours sous la direction de Mokhtar Ben-Enda, vous avez consacré votre travail à l'accessibilité aux outils numériques dans l'enseignement des personnes présentant un handicap moteur et physique. Et c'est une étude que vous avez menée auprès des écoles spécialisées du Cameroun. Bravo. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mon directeur de thèse, M. Mokhtar Ben-Enda. Merci, professeur. Merci, directeur. Et aussi, merci à tout l'ensemble de l'école doctorale, particulièrement à la directrice de l'école doctorale, M. Colli. Merci pour le soutien et l'encouragement. J'aurais dû abandonner sans vous. Merci beaucoup. Et je remercie aussi ma famille, tous mes amis, la famille Triton, pour le soutien incommensurable. Merci à vous. Et bon courage à tous.
Merci. Oui, le protocole veut que vous signiez de manière solennelle. Pour la dernière personne présente en Infocom, Hugo Verdi, une thèse qui s'appelle « À la recherche d'une maîtrise des données, une étude des discours scientifiques et professionnels sur la data literacy », une thèse menée sous la direction de M. Ledeuf. Bravo. Merci. Alors, j'ai déjà remercié la moitié de ma planète dans ma thèse, donc je vais faire plus court ici. Donc évidemment, mon directeur de recherche, Olivier Ledeuf, sur qui j'ai toujours compté. Mon directeur de recherche officieux, qui était Arthur Perret. Évidemment, l'ensemble de l'école doctorale. Mes proches qui ont enfin compris sur quoi je travaillais depuis 4 ans. Et c'est déjà pas mal. Et donc, nous adressons... un salut à, aux doctorantes et doctorants qui ne pouvaient pas être là, Linda Caninda, l'analyse des pratiques computationnelles, Fabien Lebrun sur la barbarie numérique, Daman Ndemgui, la médiatisation de la vie politique, Livagnana Razana Colonna sur les environnements numériques et Héloïse van der Linden sur les enjeux communicationnels dans la démarche de neutralité carbone. Peut-être que pour la géographie, je vais laisser la parole à Madame. Oui, c'est Collignon. Ça. Mais Madame Collignon va appeler de pluriel parce qu'elle a un train à prendre, la pauvre, elle aussi victime de la météo. Solène Raymond, qui a fait une thèse en littérature française sous la direction de Nathalie Nachtergaël, Fissure, approche écologique de l'écriture plastique. Merci beaucoup. Désolée de faire un peu le forcing, mais là, il faut que je parle dans 2 minutes chrono pour prendre mon train. Merci beaucoup à l'école doctorale, à Bernard, à toute l'équipe administrative. Merci énormément à ma directrice de thèse, Magali Nachtergaël, qui m'a permis d'aller au bout. Et surtout, merci aux artistes, aux écrivains, aux métiers de la Terre que je défends et qui apportent des réponses incroyables face aux enjeux écologiques actuels. Merci beaucoup à eux. Merci. Faut signer. Et on passe donc, on revient dans l'ordre alphabétique à l'UMR Passage. Et j'ai le grand plaisir de commencer en appelant Grégory Epo, qui a fait une thèse en architecture et paysage, en paysage très exactement, en recherche-action, sous la direction de Bernard Davas. Le projet de paysage comme cosmopolitique terrestre, retour d'expérience et perspective mésologique à partir de la mise en place d'une coopérative habitante de paysage en Haute-Gironde. Et je t'embrasse. Voilà. Merci à mon directeur de thèse, Bernard Davas, à toute l'équipe de l'UMR, bien sûr à l'école doctorale, à tous mes collègues et praticiens, à toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon terrain, et aussi une petite pensée pour ma femme et mes 2 enfants. Et merci Béatrice pour tout. Et j'appelle ensuite, avec un grand plaisir également, Mirwas Raimi, qui a fait une thèse en aménagement sous la co-direction d'Agnès Berland-Berton et Sandrine Vossel, la planification de Kaboul, la connaissance locale comme projet pour sauver l'eau. Et je l'embrasse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était une thèse est une aventure. Donc j'avoue que c'était une grande aventure pour moi. Non seulement en termes de recherche, mais découvrir la réalité scientifique pendant 4 ans que j'étais en Afghanistan et 2 ans que j'étais ici pour rédiger ma thèse. Et je remercie énormément Béatrice Collignon, école doctorale, Fond de Montagne, Université Bordeaux, programme PAUSE, Collège de France. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un énorme plaisir de finir cette thèse. Et je vous remercie vraiment beaucoup. Et je remercie aussi mon épouse et ma belle-sœur sont présents ici avec moi. Merci beaucoup.
Et last but not least, toujours avec un grand plaisir, Damien Toublanc, qui a fait lui une thèse en géographie sous la direction de Maïté Banzo et la co-direction de Bernard Delhomme. Microferme et territoire, émergence d'un modèle de petite ferme agroécologique et paysanne en France. Merci Béatrice, merci à toutes et à tous. Une thèse, c'est de la rigueur, c'est de la confiance, c'est de la folie. Et merci aux fous et aux folles qui m'ont accompagné. Maïté Banzo, Bernard Delhomme, ma direction de thèse, ma famille, Anouk Bonaldi, Pierre-Jacques, Catherine, mon frère, Béatrice, l'école doctorale. Voilà, c'est un aboutissement et effectivement un commencement du reste de ma vie. Voilà, là, que je me souhaite joyeux et en tout cas d'avoir, comment dire, formé ma pensée dans un terreau si bienveillant, ça ne peut que donner des ailes pour la suite. Alors merci à tous et à toutes. Et qui ne pouvait pas être là ce soir, Hervé Amiot, thèse en géographie, Suzanne Cato, thèse également en géographie, Thuy Tranglong, thèse en architecture et paysage en co-tutelle avec l'Université d'architecture de Hanoï, Cinzia Rinaldesi, thèse en aménagement, et Amandine Saget, thèse en architecture et paysage. Et je passe maintenant la parole au président qui va se faire un plaisir d'appeler les doctorants de pluriel, je pense. Effectivement, le meilleur pour la fin. Non, ce n'est pas vrai. Nous commençons avec l'histoire ancienne. Sandra Delage, qui a consacré sa thèse sous le titre « Défier le genre, transgression identitaire chez les personnages féminins dans l'Antiquité à l'âge classique ». Et vous avez travaillé sous la direction de Géraldine Puccini et de Catherine Ramon. Bravo, je crois que j'ai un petit quelque chose à vous donner. Bravo. Merci beaucoup à ma mère et à mon mari particulièrement de m'avoir soutenue, d'avoir cru en moi et de m'avoir aussi supportée tout au long de ces années. Un grand merci à mes directrices de thèse, Géraldine Puccini et Catherine Ramon, qui m'ont énormément apporté et sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'ai une pensée pour ma fille, donc à la maison, qui m'a accompagnée durant ces dernières années et à qui je présenterai un jour ces personnages féminins passionnants que j'ai étudiés tout au long de ma thèse. Merci. Solène Raymond, on l'a appelée, et donc Karine Perotto-Paco, toujours en histoire ancienne, sous la direction de Géraldine Puccini, et vous avez travaillé sur le thème « Quand la tragédie s'empare du mythe de Médée et de Jason, analyse comparative chez Euripide, Sénèque et Corneille ». Félicitations. Bon, je tiens à remercier bien sûr ma directrice de thèse, Madame Puccini, l'équipe plurielle et également l'école doctorale, Monsieur Colli, Madame Brossard qui m'ont suivie et aidée, et bien sûr ma famille et en particulier mon époux. Voilà. Donc, nous adressons nos félicitations à Camille Deschamps-Viérot, qui en littérature française, Yuking Gong, toujours en littérature française, Koselai Amai, Imo Ku, Xingzi Liu, qui sont qui est une doctorante chinoise qui était en co-tutelle avec l'université de Wuhan sous la direction d'Éric Benoît, Clarissa Martinez-Fernandez en études hispaniques, Thomas Meignier, en littérature française, sur les lanternes magiques. Bastien Roch, en linguistique. Jean-Pierre Sagnot, là aussi en linguistique, dans les deux cas sous la direction d'Alpha Barry. Myriam Oussibi, en littérature française, sous la direction de Mounira Chati. Et enfin, Ayan Yu, là aussi en co-tutelle avec la Chi, ENS de l'Est de la Chine, toujours sous la direction d'Éric Benoît. Le fantastique et le réalisme dans l'œuvre de Marie Ndiaye. Je crois que nous finissons sur... Non, on a archéosciences.
Adi. Alors, Archéosciences n'est donc pas là, mais faisons comme si Archéosciences était là. Donc, pour Archéosciences, Sridhaba Bhattacharya, Alexandre Baudet, Komlan Nukpoape, Reynaldo Pareja Agnosa et Ninon Taffin ont tous soutenu et obtenu leur doctorat cette année. Félicitations à eux. Enfin, pour l'équipe ICAIR, Idoya Rodriguez Mondragon, en études basques, n'est pas là non plus. Elle avait travaillé sur les stéréotypes des genres de la littérature jeunesse basque. Félicitations à elle. Et nous passons maintenant au HDR, que nous allons nous partager, pour des raisons que vous allez vite comprendre. Alors, Martine Beauvau, qui est présente mais que je ne vois pas, a donc défendu son HDR avec pour garante Maria Cecilia González-Cavino, un mémoire d'HDR consacré à la post-mémoire des années de plomb. Félicitations à toi. Merci bien. Il y a quelques semaines, il y a deux semaines, c'était moi qui donnais les diplômes à la promotion de master. Et donc, je suis toute surprise et à la fois très heureuse d'être là ce soir. Après 28 ans de carrière, j'ai l'impression de l'aboutissement d'un long parcours. J'avais l'impression que c'était une montagne, l'Everest, pour terminer cette habilitation. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et donc, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement ma garante, Cecilia González, qui a su m'accompagner tout au long de ce parcours et qui a su me conseiller et toujours m'aider à achever donc ce très long travail. Merci infiniment. Alors, pour climat, Aristide Rendels, avec pour garante Nicole Ollier, qui a travaillé sur les enjeux et défis dans la littérature américaine du XXe au XXIe siècle, n'est pas là. Pour le laboratoire MICA, en revanche, Madame Karel Soumaniak, qui a travaillé sous la direction de Vincent Liquette, enfin avec pour garant Vincent Liquette, sur les approches de l'information et de la communication dans la société, dispositifs, intermédiation et activités. Félicitations. Merci. Je voulais remercier principalement ma famille, mon mari, mon fils et ma maman. Je voulais rendre hommage aussi à mon papa récemment décédé. Et puis, je voulais remercier bien sincèrement aussi tous les collègues qui m'ont accompagnée là aussi dans ce long parcours, principalement mon garant qui est ici présent ce soir, Vincent Liquette, mais aussi tous les collègues de l'équipe Rudy du laboratoire IMS de l'Université de Bordeaux et quelques collègues également du laboratoire MICA. Et puis, bien sûr, l'école doctorale. Et monsieur Bernard Colli. Merci à vous. Et là, évidemment, on tombe sur passage, donc c'est à nouveau. Je revendique le droit d'appeler Véronique André Lamatte, qui a discuté son habilitation à diriger les recherches, mise en récit, mise en image de l'environnement. Approche critique des référentiels de l'action publique environnementale, en discussion étroite avec André-Frédéric Hoyot, son référent scientifique. Je lui fais une bise. Merci, Béatrice. Je suis très contente d'être là. J'ai une pensée très forte pour André-Frédéric Hoyot qui m'a accompagnée, je ne vais pas dire qui m'a obligée à finir, mais quasiment, puisqu'il a fixé une date de soutenance avant même que j'aie terminé, comme ça j'avais plus le choix. Donc je ne sais pas s'il faut que je le remercie complètement, mais en tout cas c'est fait. Oui, c'est une grande liberté d'écrire son HDR, et notamment la partie réflexive. Après, je n'irai pas jusqu'à vous dire que ça coule de source et que ça va de soi et que ça s'écrit tout seul, comme l'a dit Béatrice Collignon. C'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. En tout cas, merci à tout le monde. Merci Bernard Colli, même s'il m'a fait les gros yeux parce que je suis arrivée en retard et que je n'ai pas la toge.
un passage qui n'est pas ici aujourd'hui, Martin Luther Jatche, en dialogue scientifique avec Florence Leric pour une habilitation sur habitat précaire, aménagement, économie et environnement urbain au Cameroun, une recherche centrée sur la ville et sa campagne immédiate. À passage toujours, et là ce soir, il a intérêt, Raphaël Schirmer, avec qui j'ai eu le grand plaisir de dialoguer autour de son dossier d'habilitation à diriger les recherches. C'était une nuit extraordinaire. Géographie de la nuit dans les campagnes, essai de géographie sociale et culturelle par la photographie. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et tous. Un double merci à Béatrice, donc, qui, comme elle vient de le dire, a été ma garante. Ça a été une expérience intellectuelle, je trouve, hyper riche. Je freinais des quatre fers pour y aller parce que ma thèse, ce n'était pas forcément ce que j'avais, comment dire, conservé comme meilleur souvenir. Et là, ça s'est bien passé. Et puis, c'était une expérience très riche. Effectivement, comme le dit Véronique, bon, pas forcément au quotidien, mais tout de même, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, merci. Et j'allais dire merci au laboratoire Passage aussi, parce que je pense qu'il y a dans ce labo une effervescence intellectuelle, culturelle, qui est riche et qui est agréable. On m'a permis de travailler sur quelque chose qui n'était pas forcément mon sujet initial, de travailler avec la photographie, sur la nuit dans les campagnes. Et voilà, je pense qu'il y a des laboratoires dans lesquels on ne pourrait pas faire ça, en géographie en tout cas. Et là, c'était le cas. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à Véronique aussi, directrice. Et enfin, Élodie Valette, qui, comme Martin Luther Jatche, sont des collègues qui ne sont pas à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est peut-être le cas d'autres que je ne connais pas dans cette liste, qui, en dialogue avec Marie-Thérèse Maïté, dite Maïté Banzo, a discuté son habilitation à diriger des recherches sur les innovations sociales et les territoires. Et comme il en vient maintenant, donc pour les collègues de Pluriel, Marie-Ange Maillet a soutenu son habilitation à diriger des recherches sur le sujet suivant, de l'Allemagne à l'Europe, jalon pour une histoire culturelle transnationale au XIXe siècle, avec pour garant Tristan Coignard. D'autre part, pour finir, Mireille Rénal, avec comme garant Philippe Hortel, a réfléchi sur les plasticités du texte, au pluriel, de l'image du film au XXe et XXIe siècle. Bravo à elle et lui. Et nous en avons fini. Un, deux, trois. Ha ha ha.